honorables membres du jury, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, de la construction, est confronté aux grands défis environnementaux. Et selon le roadmap Europe, ce secteur dégage 35% des émissions de gaz à effet de serre. Également, dans l'article du Géo, sur le béton et sur le ciment, la consommation mondiale du ciment est de 150 tonnes par seconde. Et il faut noter que le ciment, une tonne de ciment représente une tonne de dioxyde de carbone. Donc vous comprenez là que la neutralité carbone de ce secteur est un levier sur lequel il faut agir pour atteindre les objectifs environnementaux. Cependant, nous avons vite adopté dans nos pays les constructions en ciment au détriment des constructions traditionnelles. Parce que, pour le commun des profanes, les constructions en terre sont médiocres et également sont synonymes de pauvreté. Il faut donc travailler à décoloniser les mentalités, à, pour une jeunesse bien formée et ouverte sur le monde, à valoriser nos valeurs, à vulgariser notre savoir. Et au regard de cette situation climatique, et également dans le souci de valorisation de la terre, de la matière première, dans le souci de valorisation de la terre comme matière première de construction locale, disponible, écologique et, comment dirais-je, disponible, écologique et matière première de construction, nous vous proposons Brique Éco Ciment. Merci, bébé.